Je voudrais commencer cet enseignement par ce que la croyance n'est pas. Et dans le livre de Jacques, chapitre 1 et au verset 6, Dieu nous a montré des vérités qui peuvent nous être utiles. Vous savez que Dieu enseigne dans un but. Le but étant que nous devenions meilleurs. Le but étant que nous puissions capter la puissance de Dieu en manifestation. Vous savez que depuis le premier siècle, aujourd'hui ça fait près de 2000 ans, que les fils de Dieu ne jouissent pas pleinement de la victoire qui est la leur au nom de Jésus-Christ, parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu et généralement, parce qu'ils ne connaissent pas les principes qui gèrent la vie dans l'abondance. Jésus-Christ a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et que les brebis soient dans l'abondance. Mais ce qu'on note dans le milieu chrétien, c'est en fait que les brebis vivent en dessous de l'abondance. Et les brebis souffrent. Il n'y a pas de tiède dans la maison de Dieu, ni dans la maison de Satan. Tout ce qui réussit avec Dieu ou avec Satan sont des gens qui sont engagés à fond. Et l'une des grandes barrières qui empêche que les enfants de Dieu ne réussissent, c'est le doute. Les enfants de Dieu sont plus incrédules que les enfants du diable. Vous savez bien que toute croyance est égale à la réception. Celui qui croit reçoit. Mais nous notons que les enfants de Dieu sont plus incrédules que le diable. Plusieurs d'entre eux, surtout quand ils sont des intellectuels, ils deviennent même bêtes à la limite. Nous l'avons vu pendant le dernier cours sur la croyance que nous avons travaillé. Nous avons vu que la plupart de ceux qui avaient des problèmes, c'est ceux qui n'étaient pas capables de dire un seul mot. Dieu l'a dit. Je le crois. C'est réglé. Vous n'allez rien enseigner à Dieu. Si Dieu a dit, accrochez-vous sur ce qu'il a dit, parce qu'il est impossible que Dieu mente. Dieu ne peut pas mentir. Et Dieu s'est engagé avec sa parole. Il a dit en Jérémie 1:12, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il a dit en Nombre 23:19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir de ses dons. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Si Dieu a dit qu'il va faire une chose, il va la faire. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Si je vous enseigne aujourd'hui, c'est pour vous dire, détestez le doute. Apprends à détester le doute. Parce que le doute t'empêche de jouir de la vie qui est la tienne. La vie dans l'abondance que Dieu a rendue disponible. Dis, je déteste le doute. C'est par là que doit commencer ta bataille. Nous sommes tous des êtres humains et Satan va utiliser son arme fétiche, le doute, pour nous empêcher de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Vous allez voir, à peine avez-vous prié, vous étiez souffrant. À peine avez-vous prié pour solliciter l'aide de Dieu, que l'adversaire vienne dans votre intelligence vous dire quoi? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est cette prière que vous venez de faire qui va vous délivrer? Est-ce que vous croyez vraiment que cette prière-là peut vous délivrer du sida? Le sida, personne ne peut guérir de ça. C'est des choses impossibles. Ton Dieu ne peut pas faire ça. Et nous, nous rentrons dans notre tête, nous raisonnons avec l'adversaire et qu'est-ce qui se passe? Nous ne recevons rien. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne ici, dans le livre de Jacques. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Qu'il demande comment? Avec foi. Demander avec foi, c'est quoi? C'est demander en disant, Dieu ne peut pas me mentir. C'est Dieu qui a fait cette promesse.
Et si Dieu a fait cette promesse, il ne peut pas mentir. Malgré tout ce que je peux voir devant moi, Dieu ne peut pas mentir. Dieu est, ne peut pas. Il est impossible que Dieu mente. Alors, monsieur le doute, sortez de mon intelligence au nom de Jésus-Christ. C'est le doute qui nous empêche de jouir de la vie dans l'abondance. Regardez. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mort, de la mer. Il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est le doute qui détruit notre prière. La prière que nous venons de faire, c'est le doute qui va la détruire. C'est le doute qui t'empêche de recevoir ce que Dieu a rendu disponible, parce que tu n'es pas capable de contrôler ton intelligence. C'est le doute qui va faire en sorte que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas dans ta vie. Voilà pourquoi il faut apprendre à rejeter le doute. Il faut apprendre à parler au doute. Il faut apprendre à parler à votre intelligence et à dire à votre intelligence, mon intelligence, même si je suis docteur, même si j'ai étudié quoi, tu n'es pas au-dessus de Dieu. Mon intelligence, quand toi tu te vantes d'être sage, il vaut mieux la folie de Dieu que la sagesse des hommes. Mon intelligence, reste tranquille. C'est la bataille que nous devons mener jour après jour contre notre intelligence. Dieu dit, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voilà la sentence. Qu'un tel homme, lequel, celui qui doute, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous pouvez prier pendant 20 jours et le doute vient détruire votre prière rien que pendant 10 minutes. Il faut apprendre à contrôler son intelligence. La force de l'homme de Dieu, c'est sa confiance en Dieu. La force de l'homme de Dieu, c'est la croyance. Qu'est-ce qui va mettre une trouée dans ta haie de protection? C'est le doute. Et j'ai beaucoup de croyants incrédules ici. Des croyants qui disent oui, oui, mais quand vient l'épreuve, le doute supplante Dieu. Quelquefois même ils oublient Dieu et disent que Dieu n'existe plus. Mesdames et messieurs, Dieu n'est pas vrai parce qu'on en fait une expérience personnelle. Vous pouvez prier, vos prières ne sont pas exaucées. Mais vos prières, le fait que vos prières ne soient exaucées ne prouve pas que Dieu est vrai. Donc vos prières, vos sentiments, ce que vous ressentez en vous, ne peut ni confirmer, ni infirmer l'existence de Dieu. Dieu est là, point barre. Inutile de dire à 18h que le soleil ne va pas se lever à 6h du matin. Le fait que le soleil se lève ne dépend pas de vos pensées, ni de vos opinions. Le soleil va se lever demain à 6h du matin, pile, que vous le vouliez ou non. Et c'est ça Dieu, que vous croyez ou pas, Dieu est là. Que vous le vouliez ou non, il est là. Que vous le pensiez ou pas, il existe. Que vous décidiez de croire ou ne pas croire, il est là. C'est la raison pour laquelle le slogan d'un fils de Dieu devrait être « Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé. » Et apprendre tout simplement à croire. Le doute empêche. Le doute est une barrière qui va empêcher à tes prières. Nous pouvons faire des prières de 10 heures de temps, mais ton doute remet en cause Dieu. La bataille, l'exercice que le croyant devrait faire après les prières, c'est apprendre à faire confiance à Dieu. Même si sa tête lui dit que ça ne va pas se passer, son travail c'est de dire à quoi à sa tête, quoi à son intelligence, tu dois obéir, Dieu ne ment pas. Tu dois obéir, Dieu ne ment pas. Et en cette matinée,
j'ai étudié trois versets de la Bible qui me renvoyaient à une seule vérité. Trois versets. J'ai commencé avec Habacuc 2:4. Pendant que je lisais 2:4, voici ce que j'ai vu. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la croyance. Je suis allé dans Romains 1:17. J'ai lu encore, parce qu'en lui, l'évangile est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Deux fois. Je me suis dit que quand Dieu dit une chose une fois, c'est qu'elle est une vérité. Quand il l'a dit deux fois, c'est que la vérité est établie. Voyons s'il va la dire la troisième fois. Je suis allé en Galates 3:11 et j'ai retrouvé. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Et c'était la troisième fois. Et quand Dieu dit une chose trois fois, la chose est complètement, complètement, absolument complète. Complètement, complètement, absolument complète. Il l'a dit. Et quand Dieu dit que le juste vivra par la foi, cher ami, commence à enlever le doute de ta tête. Parce que ta vie parsemée de doutes ne te permettra pas de jouir de la victoire d'un enfant de Dieu. Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé. Ça, c'est le modèle. Le juste vivra par la croyance. Ces trois versets affirment une vérité commune. Le juste vivra par la foi. Le mot foi, dans ce contexte, est le mot croyance, action de l'intelligence. Je peux me permettre de douter, je peux aussi combattre le doute pour croire. Et la responsabilité du croyant, c'est de combattre le doute en disant que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne ment pas, il ne peut pas mentir. Le mot croyance, qui dans le livre d'Hébreu se définit comme, écoutez bien, une ferme assurance des choses. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La croyance, c'est la ferme assurance. C'est quoi? J'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi de quoi manger aujourd'hui. Et mon intelligence doit rester scotchée sur la vérité que Dieu ne peut pas me laisser affamé. Il va me donner à manger aujourd'hui. Il se pourrait que les temps et les circonstances qui s'affichent devant moi veuillent prouver le contraire, que Dieu ne peut pas me donner à manger. Je peux me trouver dans un désert, et il y a beaucoup de déserts dans la vie où il n'y a aucune boutique, où il n'y a rien. Mais souvenez-vous que Dieu est souverain. Il a fait tomber la farine du ciel au désert. Il a donné la viande aux Israélites, la caille au désert. Et quand quelqu'un croirait que c'est impossible, nous avons vu dans la Bible les oiseaux, les corbeaux nourrir un homme de Dieu. Au temps de la famine en Israël, les corbeaux avaient la charge de venir donner à Élie le pain et la viande. Le matin, les corbeaux, le pain et la viande le matin et le pain et la viande le soir. Deux repas par jour. Et qui les lui apportait? Vous imaginez un corbeau avec le tablier qui à une heure fixe le matin apporte du pain et de la viande. Monsieur, le déjeuner est servi. Et qui le soir apporte quoi? Le pain et la viande. Mettez-vous dans la tête que rien n'est impossible à Dieu. Jésus-Christ a nourri plus de 5000 personnes dans un lieu désert
avec des petits pains et des petits poissons. Tout ce que Dieu vous demande, c'est de lui faire quoi? Confiance. Croire, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Croire, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Et Dieu, pour montrer ça à Abraham, était clair. Dieu a dit à Abraham, qui n'avait pas de postérité, Dieu est venu lui dire un soir, Abraham, viens. Abraham, sort de ta maison. Dieu lui a montré les étoiles. Et lui a dit quoi? Regarde ces étoiles. Ta postérité sera comme ces étoiles. Dieu a aidé Abraham à croire. Et que pensez-vous qu'Abraham pensait chaque fois qu'il regardait les étoiles? Vous croyez qu'il pensait à quoi chaque fois qu'il regardait les étoiles le soir? À sa postérité. Et il disait, merci Dieu, tu ne peux pas mentir. Merci parce que ma postérité sera comme ces étoiles. C'est vrai, Abraham a eu 8 enfants. Il est mort. Mais après sa mort, la nation d'Israël est née de milliards de personnes. Même nous, les croyants, les incrédules, nous sommes les fils de qui? Les fils d'Abraham. Dieu a veillé sur Abraham. Dieu a veillé sur sa promesse. Malgré qu'Abraham soit mort, Dieu a veillé. Dieu ne peut pas mentir. C'est ça. Croire, c'est être absolument certain que être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Croire, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Vous possédez la boutique dans votre tête avant que la boutique ne soit matérielle. Un grand pasteur nous a enseigné ça. Le révérend Yonggi Cho, il est venu enseigner à ses croyants un jour, « Frère, Dieu m'a donné une bicyclette et une table sur laquelle je peux étudier. » Ses croyants savaient qu'il était très pauvre. Et à la sortie du culte, comme il avait témoigné qu'il avait déjà ces choses, les croyants lui ont dit, « Eh bien, pasteur, nous voulons voir ces choses. » Et le pasteur ne savait pas quoi dire. Alors une idée lui est venue pendant qu'il allait à la maison. Il a demandé à ces jeunes qui lui posaient la question où est la table et ta bicyclette. Il leur a dit que mais quand une femme est enceinte, est-ce qu'elle voit son bébé? Les gars lui ont dit non. Mais toujours est-il que dans 9 mois elle va accoucher, non? Ils ont dit oui. Il leur a dit bon, moi aussi je suis enceinte de ma bicyclette et de ma table. Il ne pouvait plus passer au quartier parce que les femmes regardaient son ventre. Le pasteur est enceint d'une bicyclette et en tout cas, il a montré comment nous croyons. Nous croyons comme une femme enceinte qu'elle va accoucher dans 9 mois. Nous croyons qu'elle a le bébé. Nous croyons qu'elle ne l'a même pas encore vu. Ses règles se sont arrêtées tout juste. Et elle croit déjà qu'elle a un retard, elle va accoucher. C'est ça la croyance. Garder notre cœur scotché dans la promesse de Dieu. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette croyance-là. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur croyance. La croyance est le principe qui régit la rédemption de l'homme. En effet, dans le plan de Dieu pour la rédemption de l'homme, la croyance occupe une place de choix. Non seulement le juste vivra par la croyance, mais aussi son épanouissement quotidien est lié à la croyance. Regardez le verset, nous l'avons étudié la semaine dernière, 2 Corinthiens 5, 7. Nous avons étudié ce verset la semaine dernière. Qu'est-ce qui est écrit? Nous marchons par la croyance et non par la vue. Voilà. Jour après jour. Ça, c'est l'exercice que vous devez faire. Et cessez de dire, moi, je suis Thomas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Vous ne verrez jamais avec Dieu dans cette administration. C'est dans l'administration de Christ ou de la loi
comme posait la question, quel miracle fais-tu donc pour que nous puissions voir, afin de croire? Dans notre administration, nous croyons avant de voir. Dans notre administration, nous croyons avant de voir. Et ça, c'est important. Si nous ne croyons pas Dieu, si nous ne croyons pas que rien n'est impossible à Dieu, nous ne pouvons rien faire avec Dieu. Dieu n'a pas de sentiments. Il marche avec ses lois. La loi, c'est quoi? Croire pour voir. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Et la parole de Dieu nous a montré que ce que nous vivons aujourd'hui, nous le vivons à cause de ce à quoi nous regardons. Ce que nous vivons maintenant là, nous le vivons à cause de notre croyance. Vous allez voir, il y a des gens ici qui ne peuvent pas croire une heure de temps. L'incrédulité est entrée dans leur vie comme une habitude. Vous lui posez la question, comment ça va? Sa réponse est immédiate et il réfléchit. Qu'est-ce qu'il dit? Ça ne va pas, ça va mal. C'est chaud. Ça chauffe. Et l'expression au Cameroun, c'est maintenant quoi? On pousse, on met la cale. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Ça, ce sont des versets sataniques qui bloquent votre prospérité. C'est comme dire, ah, oh, la patience a les limites. C'est quel verset biblique? C'est quel? Ce sont des versets sataniques qui se sont introduits dans la Bible. Un penseur a pensé, il a dit quoi? La patience a des limites. Et les gens en ont fait un verset biblique. D'autres ont dit, le temps est le meilleur remède. C'est écrit où? C'est quel verset biblique? Mais ils ont introduit ce verset satanique dans la Bible. Le temps n'a jamais été le meilleur remède. Le temps couvre une réalité. Et dès que vous enlevez le couvercle, la réalité devient encore plus tragique qu'avant. Le temps n'a jamais été. Dieu nous dit, oubliez. On ne peut pas rester et dire que le temps va faire. Vous mentez. Nous, on a encore des rancunes de 30 ans. Le temps n'a rien fait. Et chaque fois qu'on en pense, c'est comme si c'était hier. Voilà. Il faut oublier. Dieu ne l'a jamais dit. Il y a des versets sataniques comme « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est quel verset de la Bible? C'est un penseur européen. Dieu n'a jamais dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Dieu a dit qu'il aide celui qui aide les autres. Tu veux que Dieu t'aide, fais quoi? Aide les autres. Donner est égal à quoi? À recevoir. Celui qui donne à l'indigent, prête à qui? Prête à l'Éternel. C'est des faux versets. Donc nos vies sont modélées par nos croyances. Si nous sommes ce que nous sommes maintenant, c'est à cause de ce que nous disons chaque jour. Vous avez des mamans qui ne sont jamais en bonne santé parce qu'elles disent quoi? Est-ce qu'une vieille dame peut être en bonne santé? Sur le plan empirique, c'est démontré. Ah, maman, comment ça va? Eh, mon fils. Ah, c'est la santé d'une chaussette. Vous savez, la chaussette qu'on porte. Je paraphrase les expressions de chez moi. Les chaussettes ont démontré que même si les gens sont grands, leurs chaussettes sont souvent trouées. Parce que ils cachent les chaussettes dans les chaussures et on ne peut pas voir la chaussette. Et vous voyez un ministre, allez le voir de se déchausser, il y a un trou dans sa chaussette. Donc la maman dit quoi? Elle dit simplement que sa santé, c'est des apparences. Elle est toujours malade. Elle dit, mon fils, est-ce qu'on peut être à mon âge, est-ce qu'on peut être en bonne santé? C'est quel verset biblique? C'est lequel? Vous voyez? Or, la Bible dit que ce que vous dites en croyant de votre cœur se réalise où? Dans votre vie. Si tu confesses de ta bouche l'échec, et si tu crois dans ton cœur que tu vis dans l'échec, tu vas le manifester dans sa vie de la même manière que quand nous confessons Jésus-Christ et croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes sauvés. Nous pouvons être sauvés par notre confession et notre croyance, tout comme nous pouvons être détruits par notre confession et notre croyance. Comment ça va? Ça ne va pas. Tout va mal. Très bien.
rien ne va changer parce que il faut que Dieu booste toutes les lois de l'univers pour que les choses changent. Non, croire est égal à recevoir. Ce que tu entretiens dans tes pensées est ce qui se manifeste dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu te dit, change-toi en changeant tes pensées. Lisons la Bible. Dans des moments de tristesse, lisons la Bible parce qu'elle console. Elle met dans notre tête des pensées positives, des pensées affectives qui nous permettent de tenir ferme contre les ruses de l'adversaire. Vous voyez? Croire est égal à recevoir. C'est pour cela que j'ai dit, le juste vivra par quoi? Par la foi, par la croyance. Nous marchons par la croyance et non par la vue. Mais la plupart marchent par la vue. Quand ils marchent en pensant à combien pauvre et malheureux il est. Parce que la nourriture, il ne l'aura pas demain. Parce qu'il a eu l'échec dans l'avancement. Or, il ne pense pas que Jésus-Christ l'a sauvé. Il ne pense pas, pendant qu'il marche, qu'il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Christ. Il ne pense pas que rien ne peut le séparer de l'amour de Christ, ni la mort, ni rien, ni aucune puissance. Il ne pense pas à ça. Il ne pense pas qu'il a la justice, qu'il a la rédemption, qu'il a le ministère de la réconciliation, qu'il a la justification. Il ne pense pas à ça. Il ne pense qu'aux choses charnelles. Oh, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça va. Qui est ton père? Qui est ton père? Et que se passerait-il si c'est Bia qui était ton père? Tu penserais, tu entrerais même dans les boîtes. Tu vas laisser les factures impayées parce que ton père va venir payer, non? Nous, on sait ça. Hein? Est-ce que ton père est là au moment où tu penses ça? Non. Est-ce qu'il est conscient que tu es dans un bar au moment où tu penses à ça? De même Dieu, tu peux aussi penser la même chose pour Dieu, qu'il va payer ta facture demain. Mais qu'est-ce que ton intelligence va te dire? Dieu est caché, oh, il ne peut pas faire ça. Et pourtant tu dis, la puissance de Dieu t'accompagne comment? Instant après instant. Il faut croire. Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé. Il faut croire. Il faut faire cet exercice. Il faut dire, je suis enfant de Dieu. Dis-le maintenant. Je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier de Jésus-Christ. Le ciel et la terre sont mon héritage. Ma bouche peut changer tout autour de moi. Il suffit de parler. Ah, ça, Jésus-Christ le savait. Jésus-Christ savait qu'il suffisait de parler et de faire confiance à Dieu. Et quand il s'est trouvé dans une barque qui était en train de couler, il a fait quoi? Il a pleuré, n'est-ce pas? Il a dit quoi au vent? Arrête! Moi, je suis fils de Dieu. Arrête! Tout de suite, c'est mon père qui t'a... Et le vent a fait quoi? Toi aussi, tu peux faire la même chose. Tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas capable de parler. Hein? Tu es capable de parler? Ça se trouve dans ta bouche. Lisons une histoire. Nous l'avons lu la semaine dernière. C'était Marc 11, verset 14. Marc 11, verset 14. J'ai apprécié, c'était formidable. En Marc chapitre 11, verset 14, Jésus-Christ change les temps et les circonstances. Il montre à ses disciples le pouvoir de la parole et le pouvoir de la croyance. Dites-le, croyez-le, et vous le verrez s'accomplir. Dites-le, croyez-le. Dites-le, je suis fils de Dieu. Mon dossier doit être débloqué. Je débloque au nom de Jésus. Je suis fils de Dieu. Mon dossier doit être débloqué. Je débloque au nom de Jésus-Christ. Parce que mon droit, j'ai le droit à la justice. J'ai le droit à la réussite. Jésus-Christ m'a délivré des chaînes de l'esclavage. Tout ce que Adam a perdu, moi je l'ai regagné par le sang de Jésus. J'ai des droits dans la maison de Dieu. Je ne suis pas un pauvre pécheur. Je suis fils de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Jésus. Et je dois réclamer mes droits. Je dois réclamer, je dois marcher. Mes pieds doivent cesser de faire mal, Clémentine. Je dois marcher au nom de Jésus. Je dois marcher, je suis fille de Dieu, je suis héritière de Dieu, je suis co-héritière. La sorcellerie n'a pas de pouvoir dans ma vie. Je dois
marcher. Je dois, mes jambes, vous devez obéir. Au nom de qui? De Jésus-Christ. Et la vérité de Dieu commence à se manifester dans votre vie. Mais si tu es là, le mal de tête te détruit, tu le regardes. Comment ça va? J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Où est partie la parole de ta bouche? Tu l'as oublié simplement. Il faut dire au mal de tête, Jésus t'a vaincu au nom de Jésus. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que moi je suis guéri. Mal de tête, va-t'en au nom de Jésus. Libère ma tête, libère. Ça va continuer à faire mal. Mais dans les minutes qui suivent, dès que vous oubliez, ça disparaît. Parce que la force est dans ta parole. Quelqu'un m'a posé cette question hier. Pourquoi est-ce que les fils de Dieu souffrent? La justice ne vous met pas à l'abri du danger. La justice ne met pas Satan hors de toi, de ta vie. C'est la réclamation de tes droits de filiation qui te donne le pouvoir. Je suis enfant de Dieu. Dégage de ma route. L'obstacle là doit dégager. Même si les concours là, on prend l'argent au Cameroun, au nom de Jésus, moi, mon nom doit passer. Parce que je suis enfant de Dieu. Et Dieu doit boucher les yeux de tous. J'ai travaillé. Mon nom doit être là. Et Dieu commence à faire quoi? À agir. Mais si toi, tu t'en vas t'asseoir à la maison, vraiment, si je n'ai pas 1 million, je ne peux pas gagner. Si je n'ai pas... Tu crois quoi? Tu crois comme les autres. Tu n'es pas convaincu que tu as qui en toi? Qui est en toi? Qui est en toi? Qui est en toi? Et Christ a fait quoi à Satan? Il a vaincu Satan. Ça veut dire que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est où? Donc ton plus petit doigt est plus grand que Satan. Applaudis pour toi-même. Mais tu n'as pas compris ça. Et c'est pour cela qu'il marche sur toi. Nous marchons par la croyance et non par la vue. Nous marchons. Même si je ne vois pas, je continue à dire. Même si je ne vois pas. Même si le mal de tête ne part pas, je continue à lui dire quoi? Mal de tête, ma tête appartient à Dieu. Ta place n'est pas ici. Sida, mon sang appartient à Dieu. Ta place n'est pas dans mon corps. Même si tu manges, je vais te dire comme une femme qui dit à son mari, tu vas me tuer aujourd'hui. Vous avez déjà vu ça? Le mari est très fort, n'est-ce pas? Mais quand elle dit quoi? Tu vas me tuer aujourd'hui, il continue à être fort, n'est-ce pas? Non. Résistez au diable et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Vous ne pouvez pas fonctionner comme des mauviettes devant Satan. Vous ressemblez à des gens qui ont acheté une télévision dans une maison. Il place sa télévision dans la maison. Il est assis en train de regarder sa télévision. Et le voleur vient et prend. Et sort avec. Monsieur le voleur, merci de me débarrasser de ma télévision. Et il s'en va, c'est ça? Vous faites comment? Allez, dépose. Et vous entrez même dans la chambre, vous prenez quoi? Pourquoi vous ne faites pas ça avec Satan? Quand il attaque vos enfants, quand il attaque vos argents, quand il attaque vos réussites, quand il attaque vos biens, quand il attaque votre prospérité, vous le laissez. Oh frère, vraiment c'est chaud ces jours-ci. Dis à la chaleur, dégage. Au nom de qui? Moi je veux sentir froid, même si tu chauffes. Allez, ouste. Moi, je ne suis pas comme les autres. J'ai Christ où? En moi, l'espérance de la gloire. Notre victoire est dans la bouche. Vous commencez à voir, vous n'avez pas encore vu. Allons donc à Marc 11. Marc chapitre 11. Nous allons relire cette petite histoire. C'est l'histoire de Jésus qui a faim. Et le figuier, c'est l'arbre du peuple en Israël. Ça veut dire que n'importe qui peut entrer dans la maison de son voisin, cueillir des figues, les manger et ressortir pourvu qu'il en fasse un usage utile. C'est l'arbre du peuple. Et Jésus entre donc dans une concession. Il veut manger, il a faim, il veut goûter les bourgeons du figuier, mais il n'en trouve pas. Ça veut dire que ce figuier ne pourra plus produire parce qu'il n'y en a plus de bourgeons. Et au lieu de... Il décide donc de montrer une loi qu'on appelle la loi de la croyance à ses disciples. Et qu'est-ce qu'il fait? Verset 13. Apercevant
De loin, un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et prenant alors la parole, il lui dit, il dit à qui? Au figuier. Prenant la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. 24 heures plus tard, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines. Et ils disent, mince, ça, c'est un monstre. Il est fils de Dieu, il est vraiment fort. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, je suis vraiment le fils de Dieu, c'est ça? Qu'est-ce qu'il dit? Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Un autre texte dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la croyance de Dieu. Ayez-la. Où est Christ aujourd'hui? Il est où? Vous avez la capacité spirituelle donnée par Dieu par laquelle vous pouvez accomplir la tâche. Oui ou non? Voilà. Regardez le verset 23. Je vous le dis en vérité. Si le pape dit à cette montagne, c'est ça? Il dit quoi? Si quelqu'un, quelqu'un c'est qui? C'est vous? C'est moi? Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Qu'est-ce qui nous empêche de réaliser des exploits? C'est le doute. Il le verra s'accomplir. Vous pensez que j'ai besoin de me tenir à mon feu pour dire à mon feu, saute, va tomber au lac central? Il y a beaucoup de montagnes dans ma vie que j'aimerais déraciner. J'aimerais déraciner la pauvreté. J'aimerais déraciner les maladies. J'aimerais déraciner l'échec. J'aimerais déraciner la haine. J'aimerais déraciner les maladies incurables. Ce sont des montagnes. Et quel est le secret? Dites-le, croyez-le, et vous le verrez s'accomplir. Tandis que ton cerveau dit quoi? Mais non, la montagne est faite de plusieurs molécules. Les molécules ont plusieurs atomes et des électrons qui gravitent. Laissez-nous ça. Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé. Hein? C'est ça qui a bloqué l'être humain. Il est toujours en train de dire comment c'est possible. Comment c'est possible quoi? Celui qui a créé ces choses te dit que c'est possible. Ta petite intelligence dit quoi? Comment c'est possible? Nous disons, Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé. Montagne, saute au nom de Jésus-Christ. Même si je ne vois pas la montagne sauter, quelque chose s'est passé. C'est de cela qu'il est question. Mais comme nous fonctionnons avec la vue et non la croyance, nous voulons d'abord voir. Montagne, saute! Elle est toujours là. La montagne est toujours là. Non, tu dois croire qu'elle s'est déplacée, même si elle est là. C'est ce qui permet de ressusciter les morts. Tu dois croire qu'elle s'est déplacée, même si elle est là. Tu dois croire. Et c'est un exercice journalier. C'est par la lecture. C'est par la lecture des miracles. Ce que Dieu a fait, vous lisez, vous commencez à croire au fur et à mesure. Et quel est, oh, les nouveaux donneurs là, c'était quoi le secret? La capacité est où? Elle est où? Christ où? J'ai la capacité spirituelle donnée par Dieu par laquelle je peux accomplir la tâche si je veux l'accomplir. Dites-le. Tenez-vous devant le malade et dites quoi? Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Ce n'est pas votre problème qui soit guéri. Le problème qui soit guéri, c'est le problème de qui? De Dieu. Toi, fais ton travail. Et beaucoup de vous, d'entre vous, ont vu de grands miracles quand ils enseignaient la parole. Qui a déjà vu? Qui a déjà vu? Je vois là le donneur Monique. Je vois Madame Davy. Qui a déjà vu? Je vois le président des femmes. Je vois même M. Sendikam.
qui je vois à Besolo. Des choses simples. Eh, maman, ça fait 5 jours que mon enfant ne dort pas. Je suis déjà allé à l'hôpital. Je suis fatigué. L'Esprit de Dieu dit quoi? Christ est où? Donne. Dis quoi? Maladie, sors. Au nom de Jésus-Christ, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et tais-toi. Dieu fera quoi? Reste. Tant que tu dis, je vais parler et si ça ne marche pas, ça te regarde? C'est ton problème? C'est le problème de qui? Moi, je dédie l'enfant, c'est mon problème. Il a dit quoi? Dites-le. Dites-moi ce que vous voulez et je le ferai. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites-moi connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ma responsabilité, c'est quoi? Dites-le, croyez-le et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est 24 heures plus tard. Regardez, je vous le dis. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, faites quoi? Vous croyez d'abord. Et vous ne le voyez pas s'accomplir. Vous croyez d'abord que c'est accompli et ça se réalise. Hein, vous ressemblez à quelqu'un, un taxi est vide, il appelle le taxi, « Taxi, me colo !» Et il s'arrête, il regarde. Non, la croyance c'est taxi. Le taxi gare, vous ouvrez la portière, vous arrivez. Quand il démarre, vous dites « Me colo !» Hein, c'est deux actions différentes, non? Dans la première action, vous dépendez de la croyance du chauffeur. Dans la deuxième action, la croyance dépend, le chauffeur dépend de quoi? De votre croyance à vous. Il peut dire non, mais vous avez quand même essayé. Croire, c'est la persévérance. On n'a pas dit que la croyance va marcher à chaque fois. C'est la persévérance qui permet à l'homme d'atteindre les objectifs dans sa vie. Si vous croyez une seule fois, et au terme de la première fois, vous amochez, vous n'êtes rien. Vous ressemblez à un boxeur qui ne boxe que pour donner des KO. Et il ne sait pas quand on lui donne les vieux coups de poing, lui, il abandonne toujours les combats. Non, quand tu es au combat, tu es un donneur et tu es un receveur. Il faut savoir qu'autant que tu donnes, tu vas aussi recevoir. Il ne faut pas seulement aller pour donner et croire que les autres auront les bras croisés. C'est même celui que tu négliges qui va te mettre KO. Dans la lutte, dans le sport, c'est ça. Nous sommes des athlètes de l'esprit. Et en tant qu'athlète de l'esprit, nous nous exerçons. Il y a des anciens de l'éducation physique ici qui le savent. Personne ne va soutenir une compétition sans s'entraîner. Et ce que je vous enseigne là, c'est des entraînements. Commence demain, taxi, mokolo. Tu ouvres la portière, tu t'assieds. Tu ne dis pas taxi, mokolo. Taxi, il arrive, tu ouvres la portière, tu t'assieds. Et quand il est là, vous a, mokolo. Hein? Il dépend de qui? De votre croyance. Et vous ne dépendez pas de sa croyance. Croire est égal à quoi? À recevoir. Ça, c'est formidable. Tout ce que vous demanderez en priant, vous faites quoi? Vous faites quoi? Que vous, regardez l'application de cette clé. Moi, je l'ai déjà appliquée plusieurs fois dans ma vie. Hein? C'est la science. Je suis allé à Macba, j'ai levé des vieilles mamans qui étaient des paralytiques avec cette clé-là. Les donneurs comprennent, peuvent comprendre ce que je veux leur dire. Donner, j'ai Christ où? Ça veut dire que j'ai la capacité de donner quand? Quand je veux, je ne veux pas rester égoïste. Je vais prier, même si tout ce qui est devant moi est en contradiction avec ce que je suis, je prie d'abord. Je dis, je te donne la santé au nom de Jésus-Christ. Quitte à ce que Dieu te la donne ou qu'il ne te la donne pas, mais moi j'aurais fait mon travail. Ce serait honteux qu'une personne meure devant toi alors que tu étais capable de dire un mot. Dis seulement quoi? Dis seulement quoi? Et mon serviteur sera, tu n'as pas été capable de dire un mot. Il fallait quand même dire un, même si ça ne fonctionnait pas. Dis d'abord, ta conscience reste tranquille que de rester dans ta chambre en disant, hey,
je pouvais prier, mais j'avais peur. Je pouvais prier. La peur va à l'encontre des promesses de Dieu. Regardez, l'homme à la main sèche, dans Marc 3. Verset 1, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Vous voyez, la main était comment? Ça signifie qu'elle pendait autour de son bras et qu'il ne pouvait pas la bouger. Ils observaient, ça c'est les pharisiens, les jaloux. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour de sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Eux, ce n'était pas leur problème. Ils voulaient que Jésus fasse une action le mauvais jour pour l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » L'homme est assis dans la synagogue, à l'endroit où on aurait dû lui donner l'aide divine qui l'attendait, mais personne. On attend que Jésus agisse pour le critiquer. Jésus dit, « Lève-toi là au milieu. » Il se lève. Et cet homme sait tout de suite que les mêmes critiques qu'on adresse à Jésus vont lui être adressées, hein. Puis il leur dit, Jésus les confronte. Est-il permis le jour de sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent silence. Verset 5. Alors promenant des regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme. Il dit quoi à l'homme? Il dit à l'homme quoi? Non, j'ai pitié de toi, assieds-toi, s'il te plaît. C'est ça? Non. Il dit à l'homme ce qu'il a. Dieu était où? Réconciliant quoi? Avec lui-même. Et Dieu est où? Dieu en Christ, en toi. Et il est là, il t'a cédé quoi? Le ministère de la réconciliation. Vois quelle gloire et quel honneur devant Dieu. Étends ta main. Il a dit un mot. Étends ta main. Et l'homme pouvait lui dire quoi? Mais Seigneur, tu es con. Tu vois bien que ma main pend, non? Tu vois qu'elle est sèche, non? Il pouvait répondre quoi? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, j'ai déjà voulu donner la guérison aux gens comme ça. Il me dit quoi? Je ne peux pas. Alors, je fais quoi? Il ne peut pas. Croire est égal à quoi? À recevoir. Par contre, il y a beaucoup d'années, j'étais chez Marie-Martine. Il y avait une petite fille qui portait des lunettes qui étaient épaisses. Elle était aveugle. Et j'enseignais un cours sur la puissance Power of Abundant Living. Pendant que j'étais en train d'enseigner, j'entendais une voix qui disait en moi sur la loi de la croyance. Mais il y a quelqu'un qui a des besoins dans cette salle. Il faut agir. Il faut agir. Et j'avais peur. Je regardais, je voyais. La seule personne que je voyais, c'est cette fille avec des loupes. Elle avait des... Vous connaissez ce genre de lunettes-là? Elle ne voyait pas. Alors, je pris mon courage, je me suis approché d'elle. Pendant qu'elle avait ses lunettes aux yeux et qu'elle essayait de déchiffrer, j'ai seulement enlevé la paire de lunettes de ses yeux. Et je lui ai dit, lis! Elle a tout simplement pris la Bible, elle a commencé à écarquiller les yeux. Vous savez ce qui s'est passé? Les yeux se sont ouverts. Elle a commencé à crier dans la salle. Je vois, je vois, je vois. Les mamans pleuraient partout. Je vois, je vois, je vois. C'était terrible ce jour. J'ai su ce jour-là que Dieu est Dieu. Quand il veut, il peut. C'est toi qui limites Dieu en agissant pas selon sa parole. J'ai simplement enlevé sa paire de lunettes. Lis en écarquillant ses yeux. Et c'est la même chose que le type fait ici. Étends ta main. Et qu'est-ce qui se fait? Étends ta main. Et la parole de Dieu dit quoi? Il l'étendit et sa main fut guérie. Est-ce qu'il est dit sa main fut guérie et il l'étendit? Il est dit quoi? Et ça veut dire quoi? Ce type dans sa tête sait que c'est la volonté de Dieu pour qu'il étende la main. Et il commence à faire quoi? Pendant qu'il s'efforce, boum, la main s'étend et guérit. C'est parce que c'est comme ça. Faites, c'était quoi? Tout ce que vous demanderez en priant, faites quoi? Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Étends ta main. Étends ta main. La main est comment? Sèche. Et qu'est-ce que le gars fait? Il dit à Jésus, non, attends. Il faut d'abord que, non. Étends ta main. Il fait comme si sa main était guérie et vous,
La main qui est sèche reprend vie au nom de Jésus-Christ. Croire est égal à quoi? À recevoir, applaudissez pour vous-même. Vous voyez que la parole de Dieu a des principes. Moi, je n'enseigne pas la doctrine. J'enseigne les principes de la vie abondante. Je montre aux gens comment faire pour changer leur vie. Vous pouvez changer vos vies dans vos bureaux. Vous pouvez changer vos vies dans votre travail, dans vos commerces. Vous pouvez changer vos vies en agissant comment? Avec Dieu. Le juste vivra par quoi? Par la foi. Nous marchons par la croyance et non par la vue. Est-ce que cette fille-là savait quand elle venait ce jour-là que Dieu pouvait lui apporter la guérison? Mais non, la guérison, je n'ai pas fait abracadabric, abracadabrac et mes yeux sont devenus rouges. Non, j'ai tout simplement, dans la simplicité, appliqué un principe divin qui dit quoi? Tout ce que vous demanderez en priant, faites quoi? Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Vous croyez et vous le voyez s'accomplir. On va lire un dernier texte, Matthieu 21. Là, Jésus fait instantanément. En Marc, il a fait, ça a fonctionné 24 heures plus tard. Ici, en Matthieu 21, il leur montre la loi de la croyance accélérée. Là-bas, elle était 24 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas au moment où vous priez que nécessairement la guérison surviendra. La guérison peut survenir 24 heures ou une semaine après. Nous avons guéri des gens ici qui sont partis chez eux et une semaine après, ils ont vu Dieu en manifestation. Ici là, Matthieu 21, verset 18, que dit la parole? Le lendemain, en retournant à la ville, il eut faim. C'est le lendemain, c'est 24 heures plus tard. Ce n'est pas le même jour. Ça, c'est un autre figuier. Ce n'est pas le même figuier. Si vous étudiez la chronologie, chronos, en mettant les évangiles ensemble, vous allez voir que c'était 24 heures. Un figuier a été mordu à la sortie de la ville et l'autre a été maudit comment? À l'entrée de la ville. Et ici, c'est quoi? C'est quoi? Ici, le figuier est maudit ou à l'entrée ou à la sortie. Nous sommes en Matthieu 21, verset combien? Le matin. L'autre, c'était le soir en sortant. Ici, c'est le matin en retournant à la ville. Il eut faim. Voyant sur le chemin un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Là-bas, il avait dit quoi? Que jamais personne ne mange de ton fruit. Ici, il lui dit quoi? Que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Pouf! Décharge électrique. Ça, c'est une manifestation instantanée, phénoménale. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur donne le secret. Verset 21, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point. » Voilà notre problème. Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec croyance par la prière, vous le recevrez. Voyez-vous, la croyance est la clé de la vie dans l'abondance. Celui qui ne croit pas ne peut pas manifester la vie dans l'abondance. Et le secret de la croyance, c'est de travailler avec son mental. S'exercer, travailler. Les donneurs là, quand vous arrivez quelque part, cherchez le feu vert de Dieu. Ne faites pas ce que les autres font là. Vous trouvez les gens en train de manger à midi, frère. Nous voulons vous parler de la parole de Dieu. C'est le moment de parler, les gens mangent. Attendez le feu vert. Priez Dieu qu'il vous donne le feu vert. Le feu vert, c'est quand vous aurez le feu vert de donner la parole, vous saurez que le moment est venu pour donner. Ce sera un voisin
qui marche avec vous depuis des années, qui viendra vous voir un matin pour vous dire que vraiment mon enfant ne va pas. Et depuis là, j'ai déjà fait tout. Pourquoi est-ce qu'il vient vous dire ça? Est-ce qu'il cause souvent de vous, de ces choses avec vous? Ça veut dire que qui l'a envoyé vous voir? Alors faites quoi? Faites quoi? Non, moi j'ai vu, ici j'ai une grande sœur, qui est ma grande sœur, elle est née en 55. Moi je suis de 60 ans, elle a 1, 6, 2, 7, 8, 9, 10, elle a 6 ans de plus que moi. Depuis que j'enseigne la parole, elle n'est jamais venue me voir. Elle a toujours dit vos choses là. Moi je ne suis pas avec vos choses là. Mais, il y a un mois, elle est venue me rendre visite. Elle ne se sentait pas bien. Je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Elle m'a dit, oui, prie. J'ai prié, Dieu l'a guérie instantanément. Elle est rentrée à la maison, elle a dit, mais c'est formidable. Petit frère, je ne me sens plus malade depuis que tu as prié pour moi. Elle est retombée malade après le décès de son fils et j'ai eu une agréable surprise l'autre jour. Elle est venue d'elle-même pour dire qu'il faut qu'on lui enseigne la parole. Et j'ai demandé à Christian quoi? Christian, enseigne-lui la parole. Le feu vert est arrivé ou n'est pas arrivé? Voilà. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il n'est pas dit que tous seront chrétiens au moment où vous voulez. Vous pouvez vivre avec des gens en paix pendant 1 an, 10 ans. Et un beau jour, vous avez la surprise qu'ils viennent vous voir, qu'ils sollicitent votre intervention. Tout comme ces messieurs qui étaient à la porte du temple, hein? La porte du temple, la belle, il avait 40 ans. 40 ans, depuis 40 ans, il venait là au temple. Personne ne l'a guéri. Même Jésus-Christ l'a vu au temple. Jésus l'a vu au temple. Mais lorsque le moment est venu, il dit à Pierre et Jean vers 15 heures, quoi? Donnez-moi. Il demande le monde. Il n'avait jamais rien demandé. Les autres lui disent, moi j'ai plus que ça. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Fais quoi? Lève-toi et marche. Le feu vert était comment? Arrivé. Attendez le feu vert. Mais avoir le feu vert ne veut pas dire que vous ne violerez pas le feu rouge. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Ça vous a plu? La croyance est la route de la victoire pour le croyant. Le juste vivra par la foi. Et puis le juste ne marche pas par la vue, il marche par la foi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.